En fait, les documents qui sont assez précieux pour nous pour connaître l'état du vignoble francilien et aussi du Gâtinais français, ce sont les plans d'intendance. Les plans d'intendance ont été réalisés par Louis Berthier de Souvigny. Normalement, c'était pour assurer une meilleure répartition de l'impôt de la taille, mais ça nous permet, nous, pour le vignoble, de connaître la superficie et les zones où on trouve des vignes sur les territoires. Donc, quelques exemples rapides. Alors, en fait, là, vous avez une carte, enfin, le plan d'intendance de la paroisse de Villiers-sous-Gré. En vert, c'est les zones boisées. En jaune, c'est les vignobles. Et la couleur rose, blanc ici en l'occurrence, ce sont plutôt les terres labourables, donc plutôt les céréales. Et donc pour Villiers-sous-Gré, alors je ne sais pas si vous visualisez, c'est pas très net. Là vous avez la chapelle de la Reine, je ne sais pas si vous connaissez, et Fontainebleau qui est toujours là. Donc pour la paroisse de Villiers-sous-Gré, nous avons une surface totale, même moi je ne vois rien en fait. Merci. Et du coup, en vigne, nous avons 203 hectares. Voilà, donc c'est 19% à peu près de la paroisse, ce qui est assez impressionnant. Autre exemple, la chapelle de la Reine, donc toujours le plan d'intendance. Là, pareil, vous ne voyez pas beaucoup, malheureusement. Et donc, on a 21% de la surface totale en vigne. Je vais très vite, hein, je suis désolée, mais par solidarité. Commune paroisse de Pringy. Donc là, on voit un petit peu mieux la zone en jaune, donc les vignes, qui représentent 13% de la surface totale. Saint-Sauveur-sur-École, qui est un petit peu en dessous de Saint-Fargeau-Pontiry, nous avons 21% de surface en vigne. Je vous donne que des exemples sénémarnais du Gâtinais français, mais j'aurais très bien pu vous donner aussi des exemples de l'Essonne. Par exemple, quelques chiffres pour l'Essonne. Nous avons à Moigny-sur-École environ 15 hectares. Moigny-sur-École, c'est juste à côté de Milly-la-Forêt, pour ceux qui connaissent toujours. Ouais, c'est bon, on peut passer. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pense de la qualité du vin produit dans le Gâtinais français? Alors, parmi les plus estimés, on avait au niveau des cépages le meunier, le morillon noir, et puis le morillon blanc. Et puis, pour les plus médiocres, pour les moins bons plutôt, le mansard, le bourguignon noir et blanc. Et donc là, vous avez une répartition des cépages que l'on pouvait retrouver donc, dans le Gâtinais français. C'est sur le canton de Perthes en Gâtinais. Et c'est en fait, on a ces données-là grâce à une enquête préfectorale qui avait été menée en 1809. Et donc, on a la répartition par cépage sur le territoire. Donc, en 1810, l'ancien département de Seine-et-Oise est le 13e département en termes de production de vin à l'échelle de la France. Et en 1868, Jules Guyot, qui était en fait un agronome et qui a été mandaté par Napoléon III pour faire un état des lieux des vignes en France, écrit « Il y a donc là une richesse vignoble à développer et non à abandonner, comme on pourrait le faire aujourd'hui, surtout dans l'arrondissement de Fontainebleau et dans celui de Melun. » Donc dès 1868, un peu comme à l'échelle de la région parisienne, on constate une baisse de la production de vin dans le Gâtinais. Elle va néanmoins quand même continuer à exister, malgré tout. Et donc là, vous avez représenté l'évolution de la production de vin dans le secteur de Perthes en Gâtinais, toujours. Et donc finalement, on voit une baisse progressive dans toutes les communes vigneronnes, mis à part à Perthes, où la baisse est un peu moins sensible. Alors les raisons, on les a un petit peu évoquées quand même. L'hiver 1879, qui explique aussi la baisse de production, les étés froids et humides, les maladies, phylloxéra, mildiou. Dans le Gâtinais français, il apparaît en 1894. Aussi la possibilité dans le Gâtinais français de se tourner vers des cultures fruitières et maraîchères, qui vont également concurrencer la vigne. Et puis l'amélioration des moyens de transport
et donc la concurrence d'autres vignobles de France qui va arriver dans le secteur. Je vous donne un exemple, Villiers-sous-Grez. Donc Villiers-sous-Grez, c'est une commune qui se situe un petit peu en dessous de Fontainebleau, du côté de la Chapelle-la-Reine. Donc en 1800, nous avons 200 hectares de vignes. Ça équivaut à peu près la moitié des terres que l'on trouve sur la commune, donc une grosse production. 1852, on voit une baisse assez importante puisqu'on est à 115 hectares. Ça équivaut à l'arrivée de la ligne de chemin de fer en fait, dans le secteur. Et puis en 1892, une grosse baisse avec 20 hectares, c'est le phylloxéra qui est arrivé. Et donc finalement, la production vin, elle continue un petit peu, mais c'est uniquement pour la consommation personnelle ou dans les cafés des villages à proximité. Rapidement, dernier point, le patrimoine bâti. Alors finalement, dans le Gâtinais français, on n'a pas forcément de bâti qui peut spécifiquement être tourné vers la production viticole. À Bourré-sur-Juine, on a la maison du tonnelier, donc qui montre tout de même que ça reste une trace de ce passé viticole, avec sa cave qui malheureusement va disparaître très bientôt. En dessous, vous avez une maison élémentaire à Boissy-Ocaille. Alors là, je suis désolée, ça rend très très mal, mais normalement il y a une cave, très belle cave. Mais du coup, en fait, cet exemple de maison, c'est une maison pour un vigneron qui a quelques arpents, et qui va produire son propre vin pour lui, et surtout va louer ses bras pour travailler vers des productions un peu plus importantes. Des maisons beaucoup plus importantes, qu'on appelle des blocs à terre, où là, en fait, la particularité de ces maisons, c'est que vous avez la partie habitation d'un côté et la partie fonctionnelle liée à la production de l'autre côté. Donc toujours avec ces caves voûtées qui prennent la plus grande superficie de la maison. Mais voilà, pour être très concrète, ces maisons-là, elles ne sont pas propres au Gâtinais français. On les retrouve dans toute la région francilienne. Pour rester sur une note positive, un exemple de réinsertion des vignes dans le Gâtinais français, à Saint-Fargeau-Pontierry, la municipalité a replanté des vignes en 2005. Voilà. Je respectais les délais là. Parfait, merci beaucoup.